Bonjour, bonsoir à tous, ici Lucas de la chaîne de Requiem, on se retrouve sur Minecraft pour l'épisode 4 de The Crafting Rebirth. Déjà le 4, je tourne le lendemain du 3, j'avais grave envie de tourner un épisode aujourd'hui, donc me voilà, on va fermer ça. Alors, chauffer l'eau, alors comme j'ai relancé le jeu directement hein, sur ce qui s'était passé la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai plus de nourriture et il pleut. Bon. Il va absolument falloir que le champ pousse. Alors, ce qu'on va faire. Le temps que ça pousse. Déjà, je vais créer de nouvelles barrières. Alors, c'est comment les barrières? C'est comme ça. Ouais, j'en ai peut-être fait beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y ait de créatures hostiles pour l'instant. Ouais, je me pose quelques questions. J'y pense, l'épisode précédent, je crois que c'était déjà le cas, mais j'ai réglé le problème de parkour. C'est bon, le retour de parkour. Je crois pas que j'en avais parlé. Et maintenant, vous savez, je peux à nouveau utiliser le parkour. Alors. Alors, mince, j'ai plus de hache. Ça arrive. Désolé, je me racle la gorge. Hein. Je fais pas exprès. Alors. En tout cas, déjà l'épisode 4, je l'ai tourné assez vite hein, avant que les épisodes sortent. Hein, faut savoir. Le 1 est sorti, le 2 sort le lendemain, au moment où je tourne évidemment. Mais bon, il va falloir pas mal que je tourne si je veux pouvoir sortir 2 épisodes par semaine. Ce qui est actuellement ce que je compte faire. Je me rends compte que j'avais pas très bien vu le shader avec la pluie la dernière fois, il est... Encore une fois, putain, je me rends compte que j'harcèle avec ça, mais il est très très beau ce shader. Il est très 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 beau. Hein. Là, je me rends compte que ma maison est très basse. Hein. Il y a bien peut-être de... Je vais entendre un bruit. Monter le truc là. Alors, je vais mettre des torches. Alors, je sais pas si la pluie éteint les torches, je crois pas. J'ai un petit peu peur peut-être que ça spawn à l'intérieur. Alors. C'est calme, j'ai l'impression que la nuit est en train de tomber. Il n'y a pas eu de créature, malgré le fait que ce soit la pluie. J'espère que celle-ci n'est pas trop forte quand même. La question si je mets un portillon et je me dis si sans faire exprès je... Oh j'ai eu peur là-bas. Il y a une ombre, ça m'a fait peur. Ça arrive. Alors le cher cuit évidemment qui ça. La peau. Alors ce que je vais faire c'est sûrement aller miner, vous savez quoi. On va aller miner, ça fait longtemps. Parce que globalement là je me trouve dans une situation où j'attends que ça pousse parce que je suis en train de mourir de faim. Mais alors que j'ai miné en mettant la pluie. Okay.
Non, j'ai pris les torches. Vous allez voir que j'ai pas pris les torches. J'ai pris les torches. Pas d'inquiétude là-dessus. Ok, c'est le bruit quand un item tombe par terre. J'entendais un bruit bizarre, j'ai eu un peu peur. Mais ça va, ce n'est rien. Pas d'inquiétude. Alors. Finalement, objectif, tomber sur du fer. Hein. Non pas sur une grotte. En même temps, il y a du fer. C'est évidemment une idée pas folle hein, de descendre. Hein. On va pas se mentir. Ouais, je sais pas pourquoi j'y vais tout doucement et je parle plus, ça sert à rien, mais c'est le stress, c'est le stress. Continuer. Escalier pour pouvoir monter. Suffit. Voilà. Tout ça pour un bloc de fer. C'était pas ouf, mais il y a du copper. Je me rends compte que je me racle beaucoup la gorge. Je suis désolé. Beaucoup de copper même. Et il y a ceci, je crois que c'est. Je sais même plus ce que c'est, du titanium, un truc comme ça. De l'aluminium. On va remonter, on va faire cuire tout ça. On a trouvé des trucs déjà, ça c'est bien. On fait 7 du fer en tout. Ouais, je vais éviter de creuser. Ah, la nourriture c'est vraiment pas ouf hein, parce que si je dois courir là, je suis dans la merde. Mais ça devrait aller. Toujours pas de situation. Ouais, ils sont là. Hein. Zombies. Alors, c'est peut-être le moment de se faire un deuxième four. Je réfléchis, il n'y a aucun moyen pour que je fasse de la nourriture. Il faudrait un œuf et du sucre. Ah, si j'avais une planche à découper. Planche à découper. Ok. Ah oui, il me faut un couteau, j'ai pas regardé si j'avais un couteau. Je peux vous la mettre, la planche à découper. Hein. Là pour l'instant. Non. Alors. Faut déjà la citrouille. On va mettre là. Et un couteau, je présume que ça se fait en fer. Alors, un couteau. Là. Couteau en fer. Ah, je peux le faire en d'autres trucs, genre je peux le faire en pierre. Non, ça me fait une dague. Mince, comment je fais un couteau? J'ai pas le truc pour choisir ma rose. Mince! Ah! Mince! J'ai deux modes qui rentrent en conflit. Mais normalement, quand c'est deux fois le même craft, il y a un petit truc qui t'indique change de craft, non? C'est moi? Je suis fou? Mince, 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 je sais pas comment faire là du coup.
En silex. Je vais devoir en faire un en silex parce que je pense pas qu'il y ait de dagues en silex. Donc je pense qu'il n'y a qu'un seul craft avec le silex, du coup je vais devoir le faire en silex. C'est terrible. Alors, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire des armures en cuivre. Ça c'est bien. En armure, il me manque le casque. Le pantalon. On va se faire du stuff. Alors 6 et en cuir, c'est 5. On va faire ça en aluminium. Okay. Bon, je ressens pas grand chose, mais c'est pas très important non plus. Je récupère. Alors un silex, pour ça il faut du gravier. Du gravier, j'en ai pas. J'en ai pas, papa. Et je crois pas en avoir trouvé sous terre. Alors le jour. Eh ben j'en sais rien. Il pleut, on voit rien. Mince. Est-ce que c'est dire qu'il est fait? Il a l'air fait. J'essaye. Bigre, il était pas fait. L'erreur, il faut pas attendre qu'il soit tout jaune. Je suis dans la merde, je sais pas comment faire. Alors, devoir attendre que le jour se lève. J'ai vu que vous pouvez faire des barbelés. Des barbelés, des barbelés. Si on les barbelés. Ça, c'est des barbelés. Alors. Que des barreaux. Trois seulement. Pourquoi je peux les faire en tout hein. Ouais. On y pensera, mais plus tard. Plus tard. Prochain objet. Objectif là, c'est trouver du gravier pour pouvoir me faire deux silex. Parce que je vous rappelle qu'il faut que je fasse une arme à feu. Du coup, il me faut encore du silex. Faire le charbon, je vais essayer juste de pas ouvrir là. Le passage aux zombies, sachant que j'ai même pas de bloc pour boucher s'il y a un problème. On va prendre un bloc. Genre ça, voilà, ce genre de problème là. Alors. Récupère un bloc à nouveau. Mince, 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 l'erreur. Il y a de l'eau là. Du coup, elle a éteint toutes mes torches. Ah, bigre. C'est pas grave, ça se remet. Je commence à avoir très très faim. Ce qui commence à être très problématique, évidemment. Ah, ce sont des torches. Elles sont là. Maintenant qui m'a inconnu, elles sont là. C'est que ça doit me coûter cher en nourriture de remonter à chaque fois. Charbon. Créature, ah, elle est lente. Elles sont plus lentes le jour, donc ça veut dire qu'il fait jour. Même s'il pleut toujours, je trouve qu'il pleut beaucoup. Voilà, non, je veux dire, elle a pu arrêter de faire du bruit. C'est peut-être parce qu'elle s'est arrêtée, mais non, elle s'est pas arrêtée. Il fait jour. Et le jour, tout à l'heure, j'ai eu, enfin, la dernière fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait des créatures le jour, mais. Ouais, il y a des créatures le jour. Eh ouais. Ça c'est problématique. Surtout que je peux pas courir. Bon, le jour, elles sont censées être lentes.
prend des risques. Il y a des blocs comme ça qui se cassent, mais c'est terrifiant. Ok, il y a de la mousse ici. C'est évidemment la recherche de gravier. Hein. Voilà. Un silex génial. L'autre, on pourra peut-être l'obtenir avec celui et ce avec le reste que j'ai récupéré. Oh, il s'arrêtait de pleuvoir. Ça, c'est génial. Un champignon. Ils ont l'air plutôt rapides, en fait. Je suis trop lent. Je suis plus lent qu'eux, putain, je... J'ai joué avec le feu. Dégueulasse qu'ils font là. Oui, le couteau. Oui, la citrouille. Attends, ça se cuit. Ça permet de faire une citrouille. Non, ça a pas l'air de se cuire. Ah, peut-être dans un truc. Ouais, mais il faut d'autres choses. Bon, je vais le manger. Ok. J'ai jeté mes torches. Ça rend si peu. Mais je sais où il y a de la citrouille. Alors je sais pas si on avait que deux par contre. Ok. Les bruits que j'entends me font un peu peur, alors on va passer par un autre endroit. Ce qui compte, c'est d'aller dans ces lieux où il y a des citrouilles. Je crois qu'il y a... Ouais, est-ce que j'ai dit, il n'y en a pas à côté ici? Si, il y en a. Je sais que là, ça se casse une citrouille, non? Ok, ça me fera manger pour un petit bout de temps. C'est une bonne chose tout ça. Alors. Ok, c'est juste un petit trou. Je suis en train de me demander pourquoi il y avait un trou à côté de chez moi. Alors. Mince, mauvais truc. Et ça use pas tant que ça le couteau. Hein. Je suis sur le cul. Vraiment, je suis sur le cul. Alors, j'ai des torches, je suis toujours. Bon, pas beaucoup, mais toujours. J'avais envie d'aller voir la fire. Juste là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller casser de l'eau. Je vais aller casser de l'eau pour pouvoir descendre à l'avenir. Oh, il y a du fer. L'avenir, c'est maintenant! Dangereux ce que je fais. Ah, pardon. J'arrivais pas à sortir de l'eau. Ok. Alors. Toujours le même biome. Hein. Je cherche de voir si on pouvait trouver des trucs. Il y a une structure. Ok, par contre, je suis en train de me rendre compte que l'épisode commence à être un peu long, peut-être. J'ai trouvé une structure. Ok. Bon, vous savez quoi, on va pas trop s'en approcher.
Je vais rentrer et la prochaine fois on ira voir ce que c'est. Ok. Ouais, on va venir explorer la structure. Même si techniquement là 2 jours ça aurait été pas si mal en fait. En fait le problème c'est qu'il faut que je termine l'épisode. Ah! Mince, je suis sur le cul, je voulais aller voir la structure. Merde, merde, ouais, je cours et tout là, c'est pas une bonne chose. Il faut absolument que je termine l'épisode. Et je peux pas faire ça dehors. Alors. Four. Le fer. Ok. C'est la fin de cet épisode. 4 de The Crafting Dead Webird. Ce sera peut-être la 60e vidéo de la chaîne en y repensant. Peut-être pas. Ça dépend si je fais des shorts ou non. Bon, on verra. C'est peut-être la 100e vidéo de la chaîne. Et du coup, bonne 100e vidéo. Bon, malheureusement, comme vous l'avez compris, je dois vous laisser. Donc, il y a une structure énigmatique par là-bas. Elle n'est pas loin du tout. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. On va aller voir ce que c'est. J'aurais juste un. Ah oui, mince, si je suis en F1. Ok, bon, là, il faut juste que je bois un coup. Pas sûr. Du coup, on se retrouve pour l'épisode 5 où on ira explorer cette mystérieuse structure. Moi, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.